Salut mec, c'est Mani. Une fois de plus, aujourd'hui nous sommes au circuit du SAM 68. J'ai prévenu personne que j'étais là, parce que j'aime bien avoir une piste privée. Ah non, je rigole, évidemment, ils vont arriver dans l'après-midi, moi je suis toujours un peu plus tôt. C'est pour ça que je suis souvent seul à l'arrivée. Nous avons avec Cruella. Pas pour drifter, on l'a préparé avec des réglages circuits soft pour rouler cool. On n'a pas encore monté les freins avant, donc évidemment deux motrices sans frein avant, avec une machine qui fait 7-8 kg là, il faudra faire gaffe, au bout de la ligne droite. Il va falloir lâcher à temps pour ne pas se planter au bout. On a la Maverick Strada qui est donc là pour, n'oubliez pas, être testée. Alors on la finalise pour la Tombola parce qu'on n'était pas encore super content la dernière fois. Et on va commencer par celle-là. À côté, nous avons la Kyosho Phaser qui a été modifiée. Donc, on est descendu à un pignon de 25. On a 5000 kV à bord parce qu'avec le pignon de 35 que j'avais dessus, et le problème c'est que j'étais obligé de briser les gaz à 60% parce que le cardan plastique il s'ovalise tellement qu'il va bouffer le châssis et que lui se bouffe aussi. Carte NT410. Là, on va faire l'essai en 3S tranquille. On a aussi modifié un petit peu le setup niveau. Enfin, on a un pignon un peu plus gros. La 410R a reçu donc un moteur. On a toujours le même moteur. Par contre, on a inversé justement le pignon avec la phaser. Parce que là, on avait 25 en 3S et là, on avait un 35. Donc, on a fait le switch. Et je vous dis des bêtises. C'est pas avec celle-là qu'on a switché. C'est avec la RS4 là-bas HPI. Donc, je reprends. Celle-là, on va laisser en 3S la dernière fois. Voilà, je l'ai avec parce que on a fait un essai à Mani pilotesse 0. Il est déjà pas super pilote, mais alors là, ce jour-là, c'était la catastrophe. Enfin, au moment de passer sur celle-là, donc on a changé un peu le setup des suspects et on est en 3S. Et donc la RS4 qui, oui, au grand dam de David Duvivier, je suis d'accord avec toi. Normalement, c'est une traction. Là, on est en 4x4, mais c'est pour profiter pleinement de la puissance du brushless. De toute façon, voilà, à l'échelle 1, tu prends un châssis et tu colles des panneaux de carrosserie, si tu prends un tubulaire et tu fais la voiture que tu veux avec. Hein. On a aussi de tout et de rien en Golf et en machin avec des moteurs de Lamborghini et autres. Donc pourquoi est-ce qu'en modèle réduit on ne peut pas avoir une Xara 4x4? On va commencer donc par la petite Maverick qui a, on lui a laissé les pneus donc Tamiya qui lui allaient très bien. On a mis donc moins de kV à bord. Le moteur qui était dedans a fini dans laquelle d'ailleurs, je ne sais plus. Alors, le dual rate, j'avais réglé. Ouais. On va laisser le dual rate comme il était. Ouais, voilà. Ouais, on est pas mal. Allez. On va se remettre le circuit en tête. Un petit mois que je suis pas venu. Bon, après c'est vrai qu'en général je viens les circuits, je viens une fois par mois et ensuite je fais ma journée et puis une fois que j'ai fini ma journée j'ai assez roulé. C'est vrai que j'ai la sale manie d'enchaîner les packs et les packs et les packs. Alors que beaucoup de pilotes circuits font leur petite session de 10-15 minutes, ils laissent refroidir, ils règlent, ils font autre chose. Ils donnent un coup de main aux autres. Ils recommencent et ainsi de suite, surtout en compète, ils n'ont pas le choix de toute façon. Ils ne peuvent pas enchaîner puisqu'il faut, entre les manches, tu ramasses pour les autres. Ah, ça se passe bien. Donc là, je crois qu'on va... Là, on est bon pour la Tombeau. On pourra laisser comme ça pour la Tombola. Là, on est vraiment bien. Ah, pilote de merde! Alors, on a eu une discussion intéressante avec un abonné qui a dit oui, bon, eux sur circuit, enfin, non, il n'y a pas de marche arrière pour éviter que les gens fassent des manœuvres dangereuses et se rendent dedans. Mais paradoxalement, quand tu fais ça sur ton circuit,
Tu fais un tête à queue, t'arrives trop vite, t'es en sens inverse aussi, et là tu as le droit de repartir et de faire ton demi-tour. Donc ça change quoi par rapport à un gars qui est planté là maintenant et qui va par exemple faire une petite marche arrière pour juste se remettre en ligne et repartir? Parce que précisément ce sont tous normalement des pilotes, donc il n'y a pas de raison de repartir en sens inverse comme un zazou. Et donc, je trouve que il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de marche arrière. Alors tu pourrais mettre ta marche arrière bridée à 25%. Ça causerait pas du tout plus d'accidents. Parce que de toute façon, le temps de se débloquer, souvent, le ramasseur est plus rapide s'il y en a. Manille déconcentrée. L'herbe est encore fraîche et humide. Donc les pneus. On a dégueulassé les pneus. Alors, j'ai mis des petits packs batterie 3S 2000, 2200 dans les véhicules. Comme ça, on aura une autonomie un peu plus limitée. Je vais quand même essayer de passer un pack par véhicule. Histoire de voir aussi ce qui se passe dans le véhicule niveau température. Ça c'était prévisible, Mani. Ah, on a un souci de direction. Et bien, ce qui me semblait, la roue avant gauche, après on a tapé le pneu, était un peu penché. Je me suis dit illusion d'optique. Voyons voir ça de plus près. Et non, pas illusion d'optique. Biellette décrochée. Et ça, c'est quelque chose par contre que j'aime bien sur cette petite Maverick. Tu vois, c'est qu'on a décroché une biellette et on est reparti. C'est quand même mieux que de péter une fusée, une chape. Un triangle ou n'importe quoi. Et t'as vu ça, j'ai du mal à cette distance. Faut freiner au bout, Mali. Ouais, j'adore le prendre en 8, ce circuit.
Bravo Mani. T'en vois quand même que ce que coûte ces petits Maverick Strada au départ là. Ou les versions HSP, enfin à la base c'est HSP. C'est quand même pas mal hein, pour faire du circuit tranquille. On va voir après tout ça, ce qui se passe avec les noix et les carbons. À la base, ça c'était une version charbon. Alors, on va se mettre un peu en haut. Comme ça, on en arrive pour tout le monde. Il y a ceux qui préfèrent qu'on voit d'en bas. Il y a ceux qui aiment bien qu'on suive le véhicule de près avec la caméra. Il y a ceux qui aiment bien voir la vue d'ensemble. Comme ça, tout le monde y serait content. Bon, attention, méfiez-vous. Généralement, quand j'arrive en haut, la première chose que je fais, c'est bloquer la voiture dans l'herbe. Ou perdre une roue. Alors, donc, mauvaise habitude à ne pas avoir, s'adosser sur la rambarde, ça gêne les autres utilisateurs quand tu es à plusieurs. En plus, on l'a constaté avec plusieurs pilotes, c'est vrai, quand tu es appuyé sur tes avant-bras, eh ben, tes réflexes ils morflent. Déjà que c'est pas terrible, pour moi. Ouais, c'est, je veux faire trop court. Imagine un peu les gars en salle là sur des petits circuits indices avec des vitesses identiques et encore pire pour ceux qui maîtrisent. Concentrer tout le temps à fond. Non mais c'est là-bas, à chaque fois, faut vraiment absolument que... je fasse autrement pour l'angle d'approche là-bas. Après, j'y peux rien, c'est inné, hein. Il y a moyen de faire un saut, pourquoi s'en priver. Hein, qu'on décolle méchamment sur le vibreur là-bas.
Tu vois là, il y a un méchant point de décollage là. En fait, on arrive ici, on descend là. Et là, on monte et on est parti. Et la Rowan donc a tapé là. Ou même le suivant. Enfin, encore, regarde encore une fois la vidéo. Donc bientôt, si tout va bien, le club organisera son annuel nocturne. Donc éclairage et tout ce qu'il faut. Renseignez-vous sur le site du SAMP 68, donc Sud-Alsace Modélisme, la page Facebook. Ils ont migré tout sur Facebook pour éviter d'avoir un site à gérer en plus. Course officielle, tout ce qu'il faut. Abonnement annuel 60€ les mecs. Licence comprise. La vache, elle dure cette batterie. Oh, moi, je me suis dit 10 petites minutes, c'est réglé ces petites 2200, ces engins. Température extérieure, là, on est à une vingtaine de degrés. Ah, je vais pas emmener le thermomètre pour mesurer la piste. Non, pas encore être chaud. Le soleil commence à peine à taper. Je pense qu'elle mérite un tout petit peu d'ouverture encore sur le train avant, comme on a la spoule. Ah, j'hésite pour les tombolas si on va juste faire par inscription ou si on va profiter des vidéos de run pour vous poser une question. Une question qui sera simple à répondre, il suffira de regarder toutes les vidéos de run. Et ouais, bon, pas de toutes les véhicules, tous les véhicules de tombola évidemment, je pourrais mixer un petit peu, mais ça serait pas gentil. Hein. On pourrait vous dire voilà, sur les vidéos de la Maverick Strada, patati patata, poser une question. Demande un timecode d'un moment précis. Ça promet, si j'ai déjà envie de partir en rallye en tout terrain avec la première qu'on essaye, la suite risque d'être torride. Hein. J'aimerais aussi que les spécialistes des pneus, donc ceux qui ont l'habitude de rouler piste indice, nous parlent un peu des choix, de ce qu'il vaut mieux faire entre pneus mousse, pneus caoutchouc, toujours dans le domaine du loisir sans traitement. Hein. Les pneus les plus durables, qu'est-ce que vous conseillez en général en dureté, selon les températures évidemment, une grosse différence entre circuit parking et entre même les circuits eux-mêmes. Disons un poste un peu absolu comme ça, pour que les gens qui gagnent les petits indices pistes là sur les tombolas puissent faire le bon choix de pneumatique selon leurs utilisations.
Bon, c'est sûr, en plus j'ai pas mis beaucoup de KV. On est en 3S. Donc la conso est ridicule. C'est un peu normal qu'avec une 2200 on arrive à des trucs pareils. Hein. Bon là on mollit quand même. Là on mollit. Ouais, clairement. Alors, nous allons jeter un œil dans le véhicule. Donc Maverick Strada à la base drift, qui a une spoule à l'arrière qu'on a montée à l'avant. On a laissé le diff avant à l'arrière, détendu. Nous avons aussi Tonton qui nous a envoyé plein de pièces alu Maverick et de pièces de diff et autres pour le Apsima 2.4 qui nous a confirmé que certaines de ces pièces étaient compatibles avec cette machine. Donc le diff arrière hyper libre, comme tu peux le voir, devant la spoule. Moteur, là il est chaud. Moi je laisse les doigts dessus. Un gamin ou un employé de bureau, non. Les diffs, les noix, on est froid. C'est quelque chose dont on parle jamais, mais sur les 1/8, je peux vous garantir, en 6 et 8 S, on fait chauffer les sorties de diff. Hein. Là, ça se passe bien au niveau des noix. Suspension, ok. À l'avant, j'espère que vous verrez aussi sur la vidéo, les axes de cardan, les noix, ça va. Je me suis dit qu'avec les sueurs rigides, ça allait souffrir, mais en fait, ça se passe bien. Alors ici, ne vous inquiétez pas, hein. C'est pas le perforateur qui est passé par là. C'est d'origine. C'est pour aller accéder ici à la corde de cerveau et au cerveau sans devoir tout démonter systématiquement du châssis par en dessous chaque fois. Le cardan central et la noix centrale encaissent tranquille. Donc on a un moteur Root Dog 10 tours 5 avec le Vario Hawkday 80 A, la radio d'origine. Et là, on a fait le run avec une 2400 X-Power, ou TP, comment ça s'appelle, non, une Power X Top Fuel, pardon. Une Hacker, banane, c'est écrit dessus, Hacker. Donc des lipos d'avion en général, 3S11000 35C, et qui est bien sur low. Tu vois là, on a un petit bins pour appuyer dessus, voir où elle est bien sur low. Voilà. Donc, lors de la tombola, ça dépendra. Alors, si c'est pour un tout petit, un débutant, 2S. Hein. Quoi qu'on a, regarde, on a une bride des gaz. Donc, non, je vais vous laisser une 3S avec les mecs. Petit chargeur automatique 3S. Et l'engin sera donc complet. Et là, j'ai mes piles rechargeables dedans, mais grâce à Tonton Loïc Amine, on pourra mettre encore avec des batteries. On a plusieurs carrosseries en rab, donc comme la carreau d'origine a pris, on sait pas pourquoi, hein, comme ça elle a craqué. Et non, évidemment, c'est dû à l'utilisation de Mani, pas de mystère, faut rien lui confier, celui-là il casse tout, il casse tout. Donc on verra si on a, enfin on a sûrement une carrosserie qui se monte, ce sera pas neuve, mais au moins comme ça. Il y aura un petit peu de quoi faire. En pneumatique, je suis au bout. Je dois absolument aller voir la marmotte, donc Steph Blotz, pour donc lui roule circuit piste indice, qui pourra me conseiller sur les pneus. Et très certainement, aller voir sur Facebook, il a une boutique. Steph Blotzheim, la loutre. Et si j'y pense, je mettrai le lien dans la vidéo. Parce que lui, il a tout ce qu'il faut justement pour piste. Donc je pense qu'on va, on va utiliser largement la publicité pour lui racheter un lot de roues pour ces petites tombolas là. Et donc préparez-vous, parce que je ne sais pas encore si on fera une... Ouais. Regardez bien, mémorisez la vidéo, il risque d'y avoir des questions. Ciao les gars.